Bon matin à toutes et tous, on se retrouve pour le message de ce jeudi 15 juin 2023. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Avant de commencer, merci mes anges de me révéler ce que j'ai besoin de savoir. Merci mes anges de me révéler ce que j'ai besoin de savoir. Merci mes anges de me révéler ce que j'ai besoin de savoir. Et aujourd'hui, eh bien, j'ai pigé la responsabilité. La responsabilité. Alors peut-être que certains d'entre vous, vous êtes prêts ou prêtes à reprendre le pouvoir de votre vie. La responsabilité implique, n'est-ce pas, que vous soyez responsable de la manière dont vous vivez et ressentiez ce que vous avez vécu et ce que vous faites de votre souffrance. Peut-être que certains d'entre vous, vous étiez dans une impasse et que vous n'osiez pas, pour différentes raisons. Et là, le déclic s'est fait et vous allez reprendre le pouvoir de votre vie. Car si vous pensez que la source de votre souffrance, peut-être que c'est vos parents, votre famille, à l'école, votre conjoint, votre époux, votre mari, votre épouse, etc., ainsi que la solution se trouve à l'extérieur de vous, vous allez vraiment peiner pour avancer. Car la solution, elle n'est pas à l'extérieur, elle est à l'intérieur. Et vous serez d'accord avec moi sur ce point. Vous n'avez aucun pouvoir sur les autres. C'est seulement sur vous-même que vous avez le pouvoir. Sur vous et vous seul, vous avez tous les pouvoirs. Vous n'avez pas le pouvoir des autres. Vous ne pouvez pas décider à la place des autres. Vous ne pouvez pas gérer la vie des autres. Par contre, vous avez le pouvoir de gérer votre vie. Et cette responsabilité vous donne cet énorme pouvoir. N'oubliez pas que vous êtes le créateur du programme. Vous êtes le seul ou la seule à avoir la clé pour le changer, pour le transcender. Encore une fois, vous avez votre vie entre vos mains et vous pouvez en faire un merveilleux usage en vous donnant tous les moyens possibles, être responsable. Alors profitez-en. N'oubliez pas que vous êtes puissant à un niveau qui vous donnera le tournis si vous en prenez conscience. Vous pouvez continuer à l'ignorer, mais vous pouvez aussi l'accepter. Et si vous le faites, vous verrez comme votre vie se transformera. Vous êtes le maître de votre vie. Rappelez-vous cela, vous êtes le maître de votre vie. Maintenant, si vous avez peur, si vous êtes dans une situation où que vous vous sépariez et que vous avez peur parce que vous ne connaissez pas l'avenir, vous ne savez pas ce qu'il y a derrière cette porte, mais dites-vous que ça sera salutaire pour vous. Vous allez prendre la responsabilité de votre vie. Est-ce que vous êtes heureux, heureuse dans la vie ? Posez-vous cette question. Soyez responsable. Même si vous y perdez, lorsqu'on change une situation, lorsqu'on prend la décision de changer une situation, on perd sur le plan matériel, mais on y gagne. Au point de vue moral, mental, on y gagne.
on a la liberté de penser, libre de ses pensées. On perd, oui, sur le matériel, mais le matériel, est-ce que c'est tellement, tellement important pour vous? Si vous avez un fauteuil en moins, si vous avez une chaise en moins, est-ce que c'est tellement important du moment que vous avez le minimum dans l'immédiat? C'est le principal, n'est-ce pas? Je suis responsable de ma vie, j'ai mon existence entre mes mains et je décide de la recréer à partir de mes valeurs profondes, car je suis puissant au-delà de l'entendement. Je suis responsable de ma vie, j'ai mon existence entre mes mains et je décide de la recréer à partir de mes valeurs profondes, car je suis puissant au-delà de l'entendement. Je suis responsable de ma vie. J'ai mon existence entre mes mains et je décide de la recréer à partir de mes valeurs profondes, car je suis puissant au-delà de l'entendement. La puissance des mots, n'est-ce pas? Je ne sais pas si vous connaissez la puissance des mots, ça a une puissance très forte. Donc c'est pour ça que si vous répétez ça et que vous vous dites ça, eh bien, ça a beaucoup de puissance et l'univers entend tout ça. Eh bien voilà, on termine avec une carte du petit oracle, les salamandres et les manteaux du feu alimentent le feu de l'inspiration et de la passion, laisse entrer la joie et l'enthousiasme dans ta vie, et bien que la magie opère, n'est-ce pas? Je vous souhaite une excellente journée et puis on se retrouve demain. D'ici là, portez-vous bien et moi je vous embrasse, à demain.